Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons à la rencontre de David, directeur commercial et du développement d'Anaïta Mauritius, qui va nous faire part d'une nouveauté dans le domaine. C'est parti, on y va. Alors David, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'endroit où nous sommes actuellement ? Alors nous sommes actuellement dans la villa turquoise, qui est une des dernières villas que nous avons livrées l'an dernier. Alors c'est une grande villa mitoyenne qui a été conçue à la fois pour permettre de placer deux villas sur un grand lot, mais tout en préservant l'intimité bien sûr des deux propriétaires. Donc c'est d'ailleurs un concept qu'on a repris pour les villas qu'on va présenter aujourd'hui, les villas Emerald. Mais surtout cette villa, c'est une villa qui a un grand avantage puisqu'elle a une vue directe sur le lagon. Comme tu sais, Anaïta est un des rares domaines à Maurice en pleine propriété sur un site balnéaire directement pied dans l'eau. Et il y a un certain nombre de villas à Anaïta qui ont ces vues directes sur la mer, voire même des lots pied dans l'eau. Donc on a en revente, comme cette villa, une collection de biens allant des appartements vue mer, des villas comme celle-ci qui ont une vue soit à travers le golfe et ensuite la mer, soit carrément des villas ayant un accès direct pied dans l'eau. Oui, tout à fait, parce que là on a la chance de voir le green et en plus de voir ce lagon qui est tout proche, donc ça fait plaisir. Et le tout en pleine propriété, ce qui est effectivement très très rare. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dans les grandes lignes sur cette nouveauté ? Exactement, on a demandé à deux des architectes avec lesquels on travaille souvent à Anaïta, Alistair Macbeth, qui a réalisé cette villa turquoise, et Bérangère Croix-Dieu, de réfléchir à un concept de villa mitoyenne qui serait placée sur des lots d'environ 2000 m², donc de façon à laisser environ 1000 m² par villa, et dans une superficie d'environ 215 à 245 m². Donc chacun a travaillé différemment et est venu avec deux concepts qu'on met désormais sur le marché. Donc ce sont des villas sur plan. Donc l'objectif que nous avons mis auprès des deux architectes, c'était d'essayer d'avoir un budget de vente, un prix de vente aux alentours de 1 million d'euros, voire un peu moins. Ça faisait assez longtemps qu'Anaïta n'était pas venu sur le marché avec des villas à moins d'un million d'euros. Ça, c'était plus le cas depuis environ 2013. Donc là, c'est une vraie nouveauté pour les personnes qui sont intéressées par la destination Anaïta et qui ont un budget dans ces eaux-là. Donc les deux architectes ont travaillé sur un concept qui permet à la fois d'avoir une intimité totale sur les deux lots, sur les deux villas, tout en profitant de la vue sur le golfe, de la perspective, puisque Anaïta a une densité très faible, on est sur 13% de bâti sur l'ensemble du domaine. Quasiment tous les lots d'Anaïta ont cette grande perspective qui est caractéristique de nos villas. Et ce qui donc permet de bénéficier totalement de l'environnement naturel d'Anaïta avec une villa qui est donc entre 215 et 240 m². Très bien. Alors pour 1 million d'euros, pour repréciser, donc on a entre 215 et 250 m² et en termes de chambres et de prestations. Alors on est sur des villas de 3 chambres. Mais bien sûr, il y a des possibilités de quatrième chambre en option, avec des coûts supplémentaires, grande cuisine, grande terrasse et environ 1000 m² de jardin. Très bien, merci David. Et de façon plus générale, où en sommes-nous actuellement dans le domaine d'Anaïta ? Alors, donc, comme tu as vu, on est dans les parcelles nord d'Anaïta, où on commercialise les trois derniers quartiers d'Anaïta, puisqu'on arrive un petit peu sur les dernières années de commercialisation d'Anaïta. Alors évidemment, à côté, Anaïta a une vie avec ses propriétaires, avec son hôtel, avec son golf. Mais au niveau du promoteur, on entame un peu la dernière ligne droite. On a construit, livré environ 230 villas à Anaïta. Nous avons encore vendu plusieurs dizaines de lots qui ne sont pas encore construits. Et il reste aujourd'hui une quarantaine de lots sur le marché qui vont être commercialisés dans les 2-3 prochaines années, sous différentes formes, donc comme toujours sous forme de terrain bâtir ou de villa sur plan avec les différents concepts que nous proposons, donc soit la villa Emerald dans les environs de 200-250 m² et les villas Horizon qui sont elles des villas un peu plus grandes, entre 240 et 450 m². D'accord, donc si on veut faire partie finalement du domaine d'Anaïta, c'est un peu le moment de se positionner. Ce sont les dernières opportunités, effectivement. Donc on pense que dans 2 ou 3 ans, ce sera terminé.
On va proposer aux clients d'acquise un an de golf membership pour profiter du golf d'Anaïta, puisque là, une bonne partie de nos acheteurs, de nos propriétaires sont des golfeurs. Et aussi une belle offre de séjour avec une remise spéciale pour les personnes qui veulent visiter, découvrir la destination Anaïta. Donc à travers toi Pierre, on pourra vraiment travailler une offre sympathique pour les vacances à l'hôtel Anaïta Golf Spa Resort. Super, merci beaucoup David en tout cas pour ton temps et pour toutes ces précisions. Félicitations pour ce merveilleux domaine et j'espère qu'on vous y verra très prochainement. Et c'est le moment évidemment de profiter de ces offres pour en découvrir plus. Bénéficiez d'un espace privilégié tout en haut de votre villa, comme un toit-terrasse, avec toujours la chance d'avoir la vue sur le green, le lagon et bien sûr sur les montagnes.